Nous sommes dimanche, donc vous savez ce que c'est comme vidéo, c'est le journal créatif de la semaine. Alors, d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles. Il y a peut-être des garçons, hein, on ne sait jamais, abonnés sur ma chaîne. Voilà, j'espère que les vidéos que vous allez voir sur ma chaîne vont vous plaire. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, justement pour les nouveaux ou ceux qui ne connaissent pas encore ma vidéo du dimanche, c'est le journal créatif de la semaine. Donc, c'est-à-dire que je viens vous montrer tout ce que j'ai pu faire sur la semaine, que ce soit en diamond painting, que ce soit en broderie, en crochet, en tricot ou tout autre loisir que j'aurais pu faire cette semaine. Voilà, donc on fait une petite récap et puis on voit où j'en suis. Alors, comme bon, il n'y avait pas beaucoup de surprises la semaine dernière, j'avais prévu comme d'habitude. Alors d'abord, j'avais prévu de continuer mon petit challenge personnel, c'est-à-dire de faire au moins 3000 croix ou plus si j'y arrivais, voilà. La semaine dernière, j'avais bien dépassé, hein, j'avais fait, je ne sais plus, 3006, 3008, je crois. On verra à la fin de la vidéo, la partie broderie, combien j'aurais fait de croix cette semaine. Alors, en broderie, comme d'habitude, j'avais prévu de travailler sur mes différents ouvrages. Alors, il y avait les hérons bleus de chez Lanart, le sale de Julia, c'est un modèle de chez All Forest, le Punky of Autumn, ça doit être ça à peu près le nom. Ma grenouille, donc ça c'est de poussière d'étoiles. Mon toast à l'œuf, c'est une broderie de Magic Needle. Mon dragon, alors là je ne sais plus le nom, je vous l'ai dit la fois dernière, mais c'est une broderie que j'avais trouvée sur Etsy. Mon HAED, voilà. Mon jus de carotte de Lily Point. Le sal du Nouvel An que moi j'organise sur mon groupe. Mes pans royaux, donc ça c'est un modèle, pareil, c'est un modèle gratuit de chez All Forest. Pas gratuit, excusez-moi, il est payant celui-là. Le sale mystère de Sabine, parce que malgré qu'il est terminé, moi je ne l'ai pas terminé, donc je suis encore dessus. Le sale de Alice au Pays des Merveilles, que j'organise sur mon groupe. Le sale de ma maison météo, donc ça c'est une broderie que j'ai dessinée moi-même et donc j'organise le sale. Le sale du colibri, donc c'est une création de chez Poussière d'Étoile également. Le Bouddha, donc ça, le Bouddha c'est une broderie gratuite qui est dans la boutique de Poussière d'Étoile.
Et ma broderie estampée du dimanche. Voilà. Et bon, pour l'instant, la steampunk est de côté. J'essaierai de la commencer la semaine prochaine, peut-être. Je vais voir. J'ai décidé de changer, changer de toile. Et comme je trouvais pas de ce que je voulais en étamine, j'ai exceptionnellement pris une toile Aïda. Voilà, j'ai pris une Aïda 8 et je vais ce qui fait qu'elle sera le modèle sera un peu plus petit, mais j'ai de toute façon, excusez-moi. Bah alors, désolée. De toute façon, là, j'ai pris une très grande toile. Voilà. Comme ça, au moins, bah, si j'ai besoin de toile pour un autre ouvrage ou quoi, bah, j'en aurai. Là, j'ai pris une toile de 1 mètre sur 1 mètre 10. Voilà. Donc, j'aurai largement de quoi faire. Pour commencer ma steampunk. Voilà. Et j'avais une de mes abonnées qui me disait que ce serait bien que je la fasse, mais comment? En un fil sur un fil de trame. Mais je suis entièrement d'accord avec elle, mais j'aime pas beaucoup moi. Je préfère le 2 sur 2, hein, deux fils sur deux fils de trame, le normal, on va dire. Parce que je n'aime pas, bon, je ne veux pas dire que j'aime pas du tout, mais c'est pas ma façon de broder préférée, voilà, de faire un fil sur un fil de trame. Donc là, j'ai repris chez de mère en fille. J'ai pris une toile, je n'ai pris que ça. J'avais besoin de la toile, je n'ai pris que la toile, j'ai été raisonnable. Avec des péripéties, parce que j'ai mis 2 jours pour la commander, il y avait un bug sur le site de Poussière d'étoiles. On n'arrivait pas à commander les toiles, n'importe lesquelles, les étamines, le lin, on n'arrivait pas à les commander. Du coup, j'avais mis un message sur la page Facebook de la boutique de mère en fille et elle m'a répondu, même très tard, qu'elle ne savait pas pourquoi. Et puis après, bon, après vérification, elle a vu qu'il y avait un bug, donc elle a réparé le bug et j'ai pu passer ma commande. Voilà. Mais bon, ça va. Du coup, j'ai pris une Aïda. Mais bon, ça va. Je brode aussi hein, sur de l'Aïda, mais voilà. C'est vrai que depuis que je fais de l'étamine, c'est ma toile préférée. Donc voilà. Donc voilà, niveau broderie, pardon, voilà ce que j'avais prévu. Après, j'avais prévu mon DP, bien sûr. Et en tricot, j'avais prévu le débardeur de chouchou, mon pull fil d'art, le pull camionneur. Il y avait aussi en crochet la couverture météo, la 2023 et la 2024. Voilà ce que j'avais prévu. Comme d'habitude, alors, non, ça va, je croyais que la lumière gênait, mais ça va. Comme d'habitude, on va regarder tout de suite le DP. Voilà, alors j'espère que ça va pas. Voilà. Le voici. Donc il reste 5 et 5, 10 cases. Voilà. Il est super brillant. Il est top. Il est très sympa à faire. Donc là, j'ai fait laquelle? Ah oui. Cette case-là. Et celle qui est ici en bas. Non, celle qui est ici en haut, pardon.
Bon, je la repose, mais je vous remets tout de suite la photo. Parce que vous savez que je le fais en mode mystère. Et j'ai peur que là, les papiers noirs, de toute façon, ils vont commencer à partir, à se décoller. Donc, voilà, je vous remets ici l'image du nom d'épée. Comme ça, vous voyez les cases qui restent à choisir. Donc, comme d'habitude, je vous invite à choisir deux cases ou trois, si vous le souhaitez. Donc là, je vous dis, il en reste 10. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je verrai si je peux en faire 3 ou si j'en fais 2. Mais bon, c'est comme d'habitude, de toute façon. Voilà. Donc, je vous laisse choisir. N'oubliez pas de mettre vos numéros en commentaire. Alors, en DP, je vous montre tout de suite... Oui, la photo du DP que Chouchou a terminé aujourd'hui. Voilà, il a terminé ça aujourd'hui. Et en même temps, alors là, vous n'avez pas encore vu la vidéo unboxing, vous la verrez demain. Mais Chouchou a déjà fait ce qu'il y avait dans cet unboxing, donc c'était des DIY. Diamond painting, donc c'est des petits objets qu'il fallait faire qu'il fallait perler, et ce sont des aimants. Alors, je vous montre le premier. Voilà, c'est un paquet de frites. Voilà, c'est un paquet de frites. Alors, il est en plexi, vous voyez, et moi j'ai recollé. Alors souvent on a les petits ronds aimantés mais fins comme du papier, et moi je les mets pas, je trouve que ça tient pas. Donc je colle moi-même deux gros aimants derrière. Voilà, donc il a fait le paquet de frites. Alors ça, tout ça, il l'a fait aujourd'hui, hein, vous allez voir. Il a fait la canette, voilà. Alors les couleurs ne rendent pas bien bien, mais bon, si j'oublie pas, j'essaierai de vous remettre des photos. Et il a fait le hot dog. Voilà, c'était trop rigolo. Et vous voyez, c'est quand même des grands aimants, hein, vous voyez. Alors, comme vous verrez dans la vidéo unboxing, je vous dis, il y a d'autres modèles aussi. Je sais qu'il y avait le hamburger. Il y avait encore peut-être un autre truc, mais je ne sais plus ce que c'était. Voilà. Donc, la prochaine fois, je vais peut-être essayer de lui avoir l'hamburger. Et puis, s'il y a encore un autre modèle. Parce que je les trouve assez rigolos. Voilà. Donc, ils vont aller sur le frigo. Et voilà. Donc, je voulais vous montrer ce que Chouchou avait fait. Alors, attendez, je vais les poser là pour pas qu'ils tombent. Voilà. Donc, en diamond painting, on a terminé. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Alors, maintenant, niveau broderie. Alors, en tout, j'avais donc prévu de travailler sur 16 broderies. Oui, je sais, je suis folle, mais j'avais prévu de travailler sur 16 broderies. Alors, je ne sais, il y en a une que je ne sais plus si j'ai travaillé dessus, donc je vais vous la montrer, on va la voir après. J'ai travaillé donc alors sur 12 ou 13, mais bon, on va toujours dire 12 broderies sur 16. C'est déjà pas mal, je trouve, sur une semaine. Voilà. Alors, on va commencer. Je vais commencer par la première qui est au-dessus. C'est le sale du colibri. Voilà,
Donc ça c'est, oui, vous avez le dessin de la toile que je suis en train de faire ici sur l'aimant. Donc ça c'est le sal du colibri que j'organise sur mon groupe, donc avec une création de Sabine, voilà, de la boutique Poussière d'étoiles. Mais comme je vous disais la semaine dernière, c'est un vrai bonbon à broder. Et trop trop belle, j'adore. Mais vraiment, ce mélange de couleurs, tout ce vert, ce rose, c'est vraiment super beau. Alors, bon, la toile, vous voyez toujours pas mieux la couleur, hein. C'est rose avec des reflets blancs dedans. C'est marbré blanc très léger. Voilà, mais sinon elle est rose. Et alors j'ai toujours pas retrouvé dans quelle boutique j'avais acheté hein, celle-là. Je sais vraiment plus. Donc c'est une Evanweave 11, 11 fils, donc étamine, Driette Pétale. Voilà. Bon, je vous dis, j'ai toujours pas retrouvé dans quelle boutique j'ai acheté ça. C'est pas très très grave. Puisque de toute façon, c'est pas une boutique sur laquelle je vais régulièrement. J'y étais qu'une fois, c'était pour trouver une toile spécifique. Et le petit trifil, vous voyez. Donc, voilà ma première broderie que j'ai faite. Et celle-ci, alors, je l'ai faite quand? Là, j'ai fait 331 croix dessus. Donc en tout, il y a 1012 croix déjà de faites et je suis à 7,09%. Voilà. Bon, on est tout au début, hein, c'est la première étape. Donc voilà. Alors, c'est vrai que, que ce soit sur le groupe, sur la chaîne, je vous dis le nombre de croix que j'ai faites. Et de toute façon, je sais qu'on est quand même nombreuses à compter nos croix, surtout quand on a l'application Pattern Keeper. Mais moi, j'aime bien faire comme ça parce que ça me permet de voir mon avancement. Voilà. Tout ça, pourquoi je lis? Parce que bon, c'est pas du tout méchant. Hein. Chacun pense ce qu'il veut. J'ai une personne qui est sur mon groupe. Ça fait plusieurs fois qu'elle me met la broderie, c'est pas une compétition. Elle comprend pas pourquoi on compte les points. Voilà. Mais comme j'ai dit, voilà, c'est ma façon de faire. Et puis de toute façon, chacun fait comme il veut. Hein. Elle, si elle compte pas ses points, ben, c'est sa façon de faire. Moi, je les compte, c'est ma façon de faire. Voilà. J'aime bien comme ça. Donc, je continuerai comme ça. Ensuite, notre petit dragon national. Qui avance? Qui avance, qui avance, même bien, il avance beaucoup, beaucoup. Le voici, je le trouve de plus en plus mignon. Il est trop, trop choupinou avec sa petite aile, son aile là derrière, sa grande queue. Voilà, il est trop choupinou. J'ai hâte de le terminer et là, bon, il devrait se terminer rapidement. Là, le dragon, j'ai beaucoup travaillé dessus. J'ai fait 541 croix dessus, ce qui fait que j'en ai fait 2594 en tout. Là, il y a 2594 croix. Je suis arrivée à 74,56%. Les trois quarts sont faits. Il me reste à broder 885 croix. Voilà.
Donc, je ne sais pas s'il sera terminé cette semaine, mais là, en deux fois, il peut être terminé. Hein. Voilà. Mais elle est trop choupinou. J'aime beaucoup. Bon, il y aura encore beaucoup de points arrière à faire. Hein. Là, j'en avais fait dans la tête, vous avez vu. Hein. Mais après, il y aura tout sur le corps aussi à faire. Mais moi, ça ne me dérange pas le point arrière. Donc, j'aime bien ça. Donc, voilà. Allez, ferme-toi. Voilà. Ensuite, ça c'est qui? Non. Ici. Alors, je ne sais pas combien de temps va durer aujourd'hui ma vidéo, mais bon, on verra. On verra. Hop là. J'ai. Ma toile n'est pas très droite. C'est pas grave. J'ai terminé ma deuxième colonne pour le sal de Alice au pays des merveilles. Voilà. Donc les deux colonnes sont faites, ici et ici. Les cœurs sont mis en rouge également. Voilà. Donc toujours aussi agréable à faire. Pas de soucis particuliers pour le moment. Mais je l'aime beaucoup. Donc, dans le sale, on a possibilité de choisir. Il y a deux versions, donc on a possibilité de choisir une des deux. Il y a la version tricolore, donc avec trois couleurs. Donc, moi, c'est ce que j'ai choisi. Et il y a la version multicolore. Donc là, il y a, je ne sais plus combien, mais il y a plusieurs couleurs. Voilà. Et moi, j'avais choisi la tricolore. Ça me suffisait. Et je trouve que ça ressort bien sur. Sur la toile. Voilà. Ça ressort assez bien. Voilà. Donc là, c'est une toile étamine 12.6, couleur vert olive. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, je vous ai mis une vidéo avec mon stock de toiles. Voilà. Je vous ai mis une vidéo donc pour mon stock de toiles. Je vous ai mis une vidéo de mon installation quand je brode, donc au bureau. Et c'est hier ou ce matin, non, c'est ce matin, samedi matin, je vous ai mis également une petite vidéo de mes achats que j'ai fait sur AliExpress, exceptionnellement, sur AliExpress et également sur Amazon. Bien sûr, ça a un rapport avec la broderie. Donc, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Là, c'était quoi? Ah oui, Alice au Pays des Merveilles. Mais celle-là, bon, je ne sais. Je sais à peu près le nombre de points que j'ai fait comme ça à vue de nez, on va dire. Parce que celle-là, on ne. Oh, j'ai les poils à fifi. On ne peut pas la mettre sur Pattern Keeper du tout. Donc, j'ai compté que j'avais fait à environ 200, 200, 250 croix. Voilà. Ici, j'ai ressorti ma petite grenouille qui n'était pas sortie de sa pochette depuis plus de 15 jours, je pense. Donc je l'ai reprise pour l'avancer. Voilà ma grenouille. Elle est trop trop chouette.
Et là, il faut que je la mette sur un autre tambour parce que ou que je bouge le tambour parce que je commence à être serrée là. Voilà. Mais je la trouve trop chouette. Elle est très sympa et toujours aussi agréable à faire. Voilà. Alors, elle, j'en suis. Aujourd'hui, j'ai fait 306 croix. En tout, il y a déjà 4258 croix de fait et j'en suis arrivée à 45,35%. Donc là, j'arrive à la moitié. Donc on ne dirait pas, hein, mais il y a du taf dessus. Là, j'arrive à la moitié. Donc j'ai encore presque ça à faire. De toute façon, on le voit hein, sur l'aimant, vous voyez. J'ai encore tout le feuillage là. La fleur là n'est pas faite. Celle-là n'est pas faite. Là autour, j'ai pas terminé. Et puis, il y a par-ci par-là des croix qui ne sont pas encore faites, hein, que je dois faire. Voilà. Donc, Mademoiselle Grenouille avance. Maintenant, c'est qui ça? Oui. Alors, j'ai avancé dessus. Oui. Alors, j'ai encore. Alors, non, je crois que c'est la 1, 2, 3. Je crois que c'est par rapport à l'erreur qu'il y avait avant. Mais j'ai encore un décalage d'une croix. Mais j'ai dit, je laisse. Je laisse ras-le-bol de démonter. De toute façon, en marchant vite, ça ne se verra pas. Alors, j'ai fait cette feuille ici. Et j'ai commencé le feuillage ici qui va monter là, comme ça. Voilà. Je regrette un petit peu, c'est ça. Ça, voilà. Ces couleurs-là, vous voyez. J'avais pas la couleur qu'il demandait, mais c'était encore plus clair. Mais je crois que j'aurais dû reprendre encore un ton au-dessus. Mais bon, moi quand je le regarde comme ça va. Hein, ouais, si je le vois quand même, mais je trouve que c'est un petit peu trop clair par rapport au reste. Voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là, cette fois-ci, j'ai fait combien? J'ai fait 270 croix. J'en suis arrivée à 53%. En tout, j'ai fait 6691 croix. Donc ce mois-ci, ce qui veut dire que ce mois-ci, j'ai pas calculé combien il me restait le croix à faire, mais ça doit être 300. Il doit me rester à peu près 300 croix à faire ce mois-ci. Quand je dis ce mois-ci, c'est parce que on fait 1000 croix par mois. Voilà. Donc là, il me reste 300. Donc si je me mets dessus la semaine prochaine, c'est terminé. Mon étape du mois sera finie. Voilà. Je perds mes fils. Non, c'est un fil, ça. Ah non, c'est un fil de la toile. Je ne l'ai pas surfilé, celle-là. Et il va falloir que je fasse attention. Donc ça, c'est un sale que Julia Roscocon organise sur son groupe. Ici, oui. Alors, toi, je t'ai mis où? Je t'ai mis là. Alors, j'ai avancé. Ça se voit pas beaucoup, mais j'ai avancé.
Voilà. Mon Bouddha, voilà. C'est le Bouddha de poussière d'étoile. Donc là, vous voyez, tous les petits points ici. Donc, j'ai fait tout ça. J'en ai fait dans le visage. Il y en a un petit peu ici dans la tête. Voilà, donc il avance. Mais c'est vrai que bon, ça n'a pas l'air, mais il a un petit peu confetti quand même. Donc, il est un petit peu plus long quand même à broder. Et là, j'ai fait 255 croix. J'en ai déjà fait 3370 et je suis arrivée à 26,21%. Donc, on va dire qu'il y a un quart de fait. Voilà. Et chouette, hein? Je l'aime beaucoup. Oh là là, on est qu'à une demi-heure. Ah oui. Et je sais pas la vidéo combien de temps va durer, mais ensuite, ah j'ai, bah ça y est, je vous montrerai à la fin de la du chapitre broderie. Ah, ma bête noire, ma bête noire, j'en peux plus. Je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Je sais même plus où j'ai travaillé. J'ai travaillé là, ouais. Mes carottes. J'en peux plus de ce feuillage. Alors, j'ai fait ici, là, voilà. J'ai fait là, quelque part. Mais je vous assure, chaque semaine, je vous le dis. Hein. Mais là, il est vraiment temps que je termine. Parce que ça me sort des yeux, ce feuillage. Je n'en peux plus. En plus, comme je vous avais dit, il y a eu des petites erreurs dedans. Donc, c'était assez compliqué de retrouver les erreurs. Et du coup, je brode autour de mes erreurs. Donc c'est encore plus compliqué. Oh mais là, j'en ai marre. J'en ai marre. Je peux plus. Je vais plus voir une carotte. Donc voilà. Mais il est trop beau, hein. Il est trop trop beau. Elle est trop trop belle plutôt. Voilà. C'est une très jolie broderie. Mais bon. Un jour, peut-être, je la finirai. Oui, je vais la finir. Mais ça prend du temps, là, du coup. Comme j'y vais un peu à reculons, c'est vrai que ça me prend du temps. Voilà. Qui je n'ai pas... Ah! Je vous pose, je fais une pause 2 secondes. J'ai oublié mes 2 grands sacs de broderie. Je me disais, il manque des broderies à mes pieds. Ben oui, ils sont encore pendus. J'ai oublié de les chercher. J'arrive tout de suite. Me revoilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Celle-ci. Alors là, j'ai pas fait beaucoup. Mais bon. Même si on ne fait pas beaucoup, c'est quand même du boulot. J'avance quand même dessus. Hop. Voilà. C'est mon sal du Nouvel An. Donc le sal du Nouvel An, c'est un sal que j'organise sur mon groupe, que l'on a commencé le 1er janvier, hein, c'était pour suivre la tradition des brodeuses, hein, qui nous permet de porter chance pour toute l'année.
Et le thème, c'était soit l'automne ou l'hiver. On avait le choix entre l'automne ou l'hiver. Moi, j'ai choisi l'hiver avec un kit de chez Riolis. Voilà. Et voilà où j'en suis. Donc, on avait fait la première étape, la deuxième. Et là, on est à la troisième. Bon, on est au milieu du mois. Hein, donc, j'ai encore. Alors, vous avez la délimitation hein, quand même de mon étape. Donc, elle n'est pas énorme, voyez. Hop. Ça devrait avancer assez vite après. Enfin, après cette semaine. Elle est très, très agréable à faire. Hein, voilà. Et j'aime beaucoup le modèle, ce petit chat là qui tape discute derrière la fenêtre avec l'oiseau. c'est vraiment top, 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 top. Alors, moi j'aime bien broder avec les fils qui sont donnés ici sur les kits Riolis. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fil moitié acrylique, moitié laine. Voilà. Donc, du coup, il est un petit peu duveteux. Mais j'aime beaucoup le travailler. Je trouve qu'il est super bien. Et il donne du relief à la broderie. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, là, bon, la semaine prochaine, ça devrait avancer un peu plus vite. Là, j'ai manqué de temps. Bon, la semaine dernière, j'ai manqué beaucoup de temps. Là, cette semaine, j'ai eu des petites choses à faire, mais ça va. Vous pouvez voir que j'ai quand même travaillé un peu plus sur mes broderies que d'habitude. Voilà. Donc, ça avance. De toute façon, celle-là, on l'a fait en un an. Hein, donc. On a le temps. Même si on prend du retard, on a moyen de rattraper notre retard. Hop, je vais remettre tout de suite dans le sac. Alors, passons aux grandes broderies. Alors, les grandes, on a d'abord, excusez-moi, je me baisse, mais je suis obligée, la maison météo. Voilà, la maison météo. Donc, je suis à jour, il n'y a que ma journée de dimanche que je dois broder, donc je suis à jour. Donc, j'ai fait toute ma semaine. Moi, dimanche, et j'ai commencé une fenêtre ici. Voilà, j'ai pas pu faire beaucoup plus parce que j'étais en panne de cette couleur-là. Donc là, je vais pouvoir rattraper mon retard puisque vous avez vu que j'ai reçu des fils. Donc, dans ces fils, bah, il y a le jaune dont j'ai besoin pour faire mes fenêtres. Voilà. Mais ça va, ça avance. Donc voilà, il y a une rangée de fenêtres qui est terminée. Donc on l'a commencé le 1er janvier. Voilà. Et donc demain, nous sommes le. Combien demain? Le 17. Dimanche, on sera le 17. Donc là, ça va du 1er janvier au 17 mars. Voilà. Pour la première rangée. Mais elle est très très agréable à faire. Voilà. On avance doucement, mais sûrement. Bon, par contre, c'est un petit peu encombrant, hein, mais. Voilà. Deuxième grande broderie.
C'est mes pans royaux, voilà, donc c'est un modèle de chez All Forest, c'est un modèle payant. J'ai attaqué ici la queue du premier pan, voilà. Bon, elle n'est pas finie, hein, vous voyez bien. Alors, le pan, combien j'ai fait de croix dessus? 430. Voilà, j'ai fait 430 croix, donc j'en suis à 1583 croix de fait sur 32 089. Et j'en suis à 4,93%. Voilà. Donc oui, c'est un grand modèle, hein, donc voilà. Mais je regrette pas d'avoir pris ce modèle, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre hein, pour la faire, hein, mais bon, il n'y a pas d'urgence. Alors, celle-ci est brodée sur une toile rose vintage, étamine 12,6 fils, comme la plupart de mes toiles. Et celle-ci vient de Univers Broderie, je crois. Oui, je crois que je l'ai eu à Univers Broderie, celle-là. Voilà. Ensuite, alors, attends, je vais la poser un peu sur le côté. Mon achat des... La toile est grande, hein, donc... Oh, il y a un petit bout de fil. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir beaucoup l'avancée, mais bon, je pense que si par rapport à la dernière fois, voilà. Alors, j'ai encore, pareil, j'ai encore des petits trous là, qui sont des croix qui ne sont pas faites ici, là, parce que justement, il me manquait un fil, non, deux fils. Et donc là, c'est pareil, je les ai reçus. Donc, je vais pouvoir boucher les trous et pouvoir maintenant avancer avec toutes mes couleurs. Voilà. Pareil, je suis vraiment très heureuse de l'avoir repris. Alors, j'ai regardé l'autre jour les dates que j'avais commencé. Et je l'avais commencé il y a... J'avais vu en janvier. Fin 2022, début 2023. Et dans ma tête, je me suis dit, mais j'ai perdu un an à ne pas travailler dessus. Sur un an, j'aurais pu vraiment beaucoup, beaucoup avancer. Puisque j'ai calculé qu'il me faut, enfin, si je faisais 1000 croix par semaine. Mais bon, là, j'ai pas fait 1000 croix cette semaine. Non, j'en ai fait la moitié. J'en ai fait 500. Mais si je faisais 1000 croix par semaine, il me faudrait 2 ans et demi à peu près pour le faire. Mais bon, à 500 croix par semaine, ça ne va pas le faire. Hein. Voilà. Mais bon, on verra bien. Ça avance, c'est bien. Donc, c'est une étamine également. Blanc cassé, je crois. Donc, c'est une 12... 12,6 fils. Voilà, je vais y arriver. Ah, oh, mais... Alors, je vous ai fait une vidéo pareil sur mon achat ED. Retournez un petit peu en arrière, vous la verrez. Je vous explique un peu mon modèle, ce que j'ai choisi. Voilà. Alors, attendez, je remets mes pans avec. Voilà.
Les deux grands sacs, c'est fait. Alors, est-ce que je vous ai tout montré? On va faire la petite récap. Le dragon, oui. Le HAED, le colibri, les carottes, le Hall Forest Julia, le Bouddha, les pans royaux, la maison météo, la grenouille, Alice au pays des merveilles et le nouvel an. Voilà, là je vous ai tout montré. Je ne vous ai pas montré. Alors, c'est ma plus petite broderie depuis que je brode. Vous rappelez, je vous avais montré que j'avais eu en cadeau avec ma broderie anglaise. Voilà. Eh bien, je l'ai broderie. Bon, le montage est un petit peu de laisser aller. Hein. Mais bon, vous voyez, ça fait un petit creux là. Il faudrait que je le redémonte. Et comme je l'ai collé, je ne peux plus le démonter. Donc, c'est pas grave. Voilà. Donc, le petit papillon, c'est un modèle de chez Duren Jones. Voilà. Et alors, il me reste à mettre l'anneau pour faire le porte-clé. Donc, ça, c'était le modèle qui était offert dans la revue du mois d'avril. Donc, on a déjà reçu les revues, hein, mais c'est la revue du mois d'avril. Voilà. Très sympa à faire. Ouais, il fallait à peu près 2 heures pour le faire. C'est ce que j'ai à peu près mis. Je l'ai fait en une fois. Bon, je vous dis, le montage, il n'est pas topissime. Mais bon, c'était juste pour m'amuser. Hein. Voilà. Bon, j'ai fini une broderie. Voilà. Ensuite, donc, je n'ai pas travaillé sur mon sale mystère de Sabine, de Poussière d'étoiles. Pas travaillé dessus, je n'ai pas travaillé sur mes hérons. Mes hérons, ils en sont toujours au même endroit. Alors, je les montre pour ceux qui n'auraient pas vu. Bon, c'est une broderie où j'en suis au début, hein, aussi, mais donc là, j'ai pas avancé dessus. Tiens, je suis en train de penser que là, j'aurais dû mettre cet aimant à aiguille sur ma broderie du pan. Regardez. Ah oui, c'est un pan. Je changerais. Donc là, je vais m'avancer dessus cette semaine. Hein, mais là, là c'est par manque de temps, hein, que j'ai pas été dessus. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est un modèle de chez Lanart. Donc, les Lanart, c'est des très jolis modèles. Hein. Bon, ce qui est dommage, c'est que je ne sais... Enfin, si je pourrais, il faudrait que je scanne les patrons, faire des petites modifs pour pouvoir mettre sur Pattern Keeper, tout ça. Mais... j'ai pas encore essayé parce que c'est ça justement, ça manque parce que là je fais sur papier et moi sur papier les gros modèles j'ai du mal à suivre. Voilà. Lequel que je n'ai pas encore fait aussi, mon toast à l'œuf. Voilà, le toast à l'œuf, je ne l'ai pas avancé cette semaine. Alors, il est toujours là, mon toast à l'œuf. Je vais le laisser dans la pochette, c'est pas grave. Voilà. C'est pareil, hein, il faudrait que je mette un grand coup de collier, comme on dit, pour le terminer. Mais voilà. Alors,
Celle que je vous disais, que je ne sais plus si j'ai avancé dessus. Je vais regarder, je ne m'en rappelle plus. C'est mon estampé. Mon estampé. Hop. Alors, est-ce que j'ai travaillé dessus? Non. Non, je ne l'ai pas sorti. Je ne l'ai pas sorti. Voilà, donc où j'en étais. Alors, je vous montre derrière, hein, sur l'envers, on voit mieux ce que j'ai fait. Voilà. Mais bon, je vais la... Celle-là, c'est vraiment ma récréation. Hein, donc, je l'avance, c'est bien. Je ne l'avance pas, c'est pas grave. De toute façon, c'est vraiment juste pour faire le dimanche soir devant la télé, dans le fauteuil. Voilà. Bon, bah, du coup, je n'avais pas avancé. Mais bon, la moyenne a été bonne quand même en niveau broderie. Attendez, je n'arrive plus à remettre. Voilà. Niveau broderie, j'ai quand même fait une bonne moyenne. Hein. J'en suis arrivée à 5. Alors, j'ai dû. Mon challenge, c'était. Excusez-moi, je recomptais. Mon challenge personnel était de 3000 croix par semaine. Et j'en ai fait environ 3200, 3300. Voilà. Mon challenge est bon. Bon, j'ai fait un petit peu moins que la semaine dernière, mais j'ai travaillé sur plus de broderies. Donc, voilà. Niveau broderie, bah, écoutez, on a terminé niveau broderie. Alors, je vais juste prendre 5 minutes pour ranger toutes mes broderies qui sont là à mes pieds. Et comme d'habitude, aller boire mon petit verre de thé pêche parce que, à soif, papoter, ça donne soif. Voir s'il n'y a personne qui veut sortir pour le pays. Allez, à tout de suite. Pour vous, je suis là tout de suite. Me revoici. Voilà, je me suis un peu mélangé les pinceaux en remettant le téléphone. Alors, je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, enfin dans ma précédente vidéo, quand je vous ai montré les toiles, je crois, oui, ouais, je crois que c'est ça, qu'il y avait un HAED que j'avais fait, commencé il y a un moment, mais que j'avais abandonné, et je m'étais dit, je sais pas, si je le reprends, si je le reprends pas. Bon, ma décision est toujours pas prise. Voilà. Parce que vous voyez bien le nombre de broderies que j'ai. En plus, si je veux attaquer ma steampunk, voilà, ça va me faire de très, très grands ouvrages. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je calcule aussi bah, par rapport à mon âge. Je suis pas vieille, hein, mais bon, j'ai quand même 60 ans. Je calcule par rapport à mon âge d'avoir des grosses broderies comme ça. Bon, si j'arrive pas à les finir, ce serait bête. Voilà. Donc, je réfléchis encore en sachant que on m'en avait offert une. Un de mes abonnés m'avait offert une broderie. Que je n'ai pas encore commencé. Enfin, il m'en avait offert plusieurs, mais là j'en ai deux que j'ai enregistrées. Là, c'est une HAED également. Super colorée, mais bon, il n'y a que 89 couleurs. Donc, ça c'est bien parce que bon, bah, du coup, j'ai pas besoin de
de sortir tout mon stock de fils. Mais j'ai calculé, alors je ne sais pas si je ne me suis pas plantée, parce que du coup, je vous parlais tout à l'heure que j'ai acheté une toile Aïda 8. J'espère que je ne me suis pas plantée, parce que du coup j'ai un doute là d'un coup. Parce que celle-ci, alors là voilà, celle que l'on m'avait offert, un peu une japonaise, un peu samouraï, on va dire. Comment? Donc 89 couleurs et ici 229 points sur 330 points. Mais j'ai l'impression, alors soit je me suis trompée dans mes calculs, parce qu'en Aïda 8, ça ferait du 68 sur 93 cm. Alors que si je prends une étamine comme je prends d'habitude, ah oui, mais là j'en ai une. J'ai mes Easy Count. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi je me casse la tête. Je peux la broder sur une Easy Count, une étamine 12.6, puisqu'il me faut, en comptant la marge, 47 sur 63. Ouais, bah donc c'est faisable. Ouais, c'est faisable. Et au niveau des fils, j'en ai que deux, je crois, où il me faut deux échevettes. Tout le reste, c'est une échevette de chaque. Là, alors ça fait 1, 2. Ouais, j'ai que deux couleurs où j'ai besoin de deux échevettes. Donc, c'est bon. Donc, au lieu de faire mon perroquet, je verrai peut-être pour, mais bon, c'est pas sûr, hein. Mais du coup, commencer celle-ci, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est trop trop belle également. Je l'aime beaucoup. Puis là, bon, c'était un cadeau, hein, donc alors c'est un modèle de chez de, alors oh, je sais pas si je vais bien le prononcer, Graciana Zielinska, voilà. Je ne sais pas de quelle origine elle est, mais elle ou il, mais je pense que c'est une femme. Ouais, j'aime beaucoup ce modèle également. Et du coup, il y aurait moins de travail, enfin, ce serait moins grand que le perroquet. Parce que le perroquet, il est là. Ouais, c'est 90 couleurs, mais il est plus grand parce qu'il fait 300 sur 520. Et voilà. Donc la japonaise est peut-être mieux. Ouais. La japonaise est peut-être mieux. Mais en plus, dans ma pattern keeper, j'ai plein de broderies, hein, que je devrais faire aussi, mais bon. Je peux pas tout faire. Voilà. Ouais, je pense que la japonaise, elle est très très belle. J'ai bien envie de la commencer. Vous me dites quoi? Voilà, alors maintenant on va parler crochet et tricot. Alors, tricot, ça va aller vite. J'ai du mal en ce moment avec le tricot. Oh, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment du mal. Je m'éclate plus dans mes broderies en ce moment que dans mes tricots. Le tricot... franchement, j'ai vraiment du mal. À chaque fois, je le dis, mais je sais pas.
J'ai envie, bon, pas d'arrêter mes modèles parce que je les ai commencés, mais à chaque fois, je vous le dis, j'ai envie de peut-être d'arrêter le tricot, j'en sais rien, mais je sais pas. Mais je m'éclate plus du tout, enfin, je m'éclate plus du tout. Je m'éclate moins avec mon tricot qu'avec mes petites croix. Voilà. Ouais, puis je suis vraiment pas vraiment une pro en tricot. Donc bon, là, vous voyez, c'est mon gilet là que je m'étais fait dernièrement. Voilà, c'est un modèle fil d'art avec. C'était avec quoi comme laine? Oh, je sais plus le nom. J'ai encore oublié. Mais il y a du brillant dedans. Il est super chaud. Hein, il est bien. J'ai bien réussi celui-là. Je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. J'ai mon pull col roulé aussi, vert, qui est nickel. Mais là, c'est les trois tricots que j'ai du mal. J'ai du mal, j'ai du mal. Je vais commencer par le tricot, puisque j'en parle. Cette semaine, je n'ai avancé que sur un tricot. Là, je suis presque fini la pelote. Heureusement, c'est sur celui à chouchou. Oui, ça y est, ça avance. Donc, ça, c'est le devant. Hein. Le dos est fait, hein, bien sûr. Donc, ça, c'est le devant. Et voilà ce que j'ai fait ici. Donc, il y a une douzaine de rangs que j'ai fait cette semaine. Alors, j'essaye de terminer. Au plus vite façon de parler, mais je voudrais bien le terminer une bonne fois pour toutes. Pour hop, celui-là, je l'ai plus, mais je sais pas. Non, je réfléchis. Je vous avais dit aussi que je voulais essayer d'attaquer le circulaire, j'arrive pas à m'y mettre. L'autre jour, j'ai commencé, j'ai juste commencé le montage hein, de mailles, j'ai tout démonté, je l'ai pas ressorti d'ailleurs. Non, je sais, je suis vraiment, comme on dit vulgairement, le cul entre deux chaises. Je ne sais pas ce que je vais faire. Abandonner le tricot ou alors en faire vraiment un de temps en temps. Faire du crochet à la place. Je ne suis vraiment pas motivée par mon tricot en ce moment. Alors le pull camionneur, je ne l'ai toujours pas ressorti. Cette histoire-là d'augmentation en plein milieu du plastron, ça m'a complètement coupé la chic. Ça m'énerve parce que là, c'est quand même de la laine qui coûte cher, c'est de la bergère de France. Et du coup, là, ça m'a vraiment coupé la chic. Et j'arrive pas à m'y remettre. Il est où? Il est où? D'ailleurs, il est tout dans le fond. Alors, viens là. Hop. Il y a maman. Voilà. Alors, j'ai vous rappelé la dernière fois, je vous avais montré que j'étais arrivée en plein milieu. Donc, ça, c'est un truc qu'il faut jamais faire. Je l'ai d'ailleurs même pas. Ça m'énerve parce que voilà, je peux l'abîmer. Donc je suis sur le devant. Voilà. Je suis arrivée à la hauteur du plastron. Donc il me reste pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose, façon de parler. Il reste quoi ça à faire. Ouais, ça à peu près. Mais cette histoire d'augmentation en plein milieu ici du plastron, mais comme ça m'a complètement bloqué. Ça m'a complètement bloqué. Et donc, je vous avais dit, hein, je vais essayer de faire mes augmentations ici au bout, voilà, de chaque côté. Et je vais faire ça parce que sinon, je vais pas arriver à le finir. Et il faut que je termine. Il n'y a pas. En plus, c'est de la super laine. C'est de la laine. Comment elle s'appelle celle-là?
cocooning, voilà. Ouais, j'en ai eu pour des sous quand même. Hein. J'ai quoi? Oh, j'ai un truc qui me gratte dans le dos. j'en ai eu pour cinquantaine d'euros, je crois, je sais plus. Donc, ce serait vraiment dommage que je le continue pas. Et puis, il est tout doux, pourtant, il est trop top. Donc voilà. Non, mais je vais terminer. Je vais surtout finir déjà le rang là, parce que c'est pas top ça, c'est pas top du tout. Ça va l'abîmer, ça va me faire un trou au milieu de mon tricot. Allez-y, motivez-moi, mettez-moi des coups de pied aux fesses pour que je reprenne mon camionneur, mon pull camionneur. Hop, il y en a toi. J'accepte les coups de pied aux fesses. Et mon fil d'art, donc mon fil d'art, c'est pareil, le dos était fait, hein, voilà, hop, le dos est fait. Et la main gauche, elle est sous, hein. Ouh. Pour en avoir, j'espère. Et voilà le devant. Je suis arrivée à tous mes bouts de pelote là. Aux trois tricots, je suis à mes fins de pelote. Là, j'en étais où? Ah si, j'ai quand même fait 2, 3, 4 ans. Voilà. J'ai fait 4 ans. Ah bah mince! C'est pour deux. Je ne sais plus, à gauche, on donne des sous ou on en reçoit. Je ne sais plus. Ça gratte. Il y en a qui doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte avec ses sous, qu'elle gratte sa main? Voilà. Donc celui-là, il faut pareil, il faut que je le continue. Mais c'est ça, hein, c'est ce que je vous disais la semaine dernière. Il faut que je. Oh, ça m'énerve. Que je termine. Je commence à terminer au moins un modèle. Comme ça, je vais être motivée pour terminer le deuxième et ensuite terminer le troisième. Une fois que ces trois-là seront faits, je vais réfléchir vraiment bien sérieusement et voir, disons, pour faire un tricot à la fois, voilà. Mais sinon, ça, je le sens, hein, je suis en train de me démotiver et ça le fait pas. Voilà. Alors, allez-y, donnez-moi des coups de pied aux fesses pour que je me motive à faire mes tricots. Oh là là. Bah, du coup, tricot, j'ai pas plus à vous montrer. Voilà, vous avez vu les trois, hein, d'un coup presque. Bon, celui à chouchou, il avance. De toute façon, alors ça, c'était le dos. Voilà. Là, c'est le dos. Bon, on ne voit pas bien les emmanchures, là, mais elles sont là. Hein, voilà. Donc ça, c'est le dos. Hop. Et voilà. Non, mais là, je ne sais plus. J'avais mesuré l'autre jour, mais je crois qu'il me reste à peu près ça. Ouais, à peu près ça, à peu près une main pour arriver aux emmanchures. Et une fois que je vais arriver aux emmanchures, ça va aller très très vite après, parce que bon, comme c'est un col pointe, arriver là à la pointe, je vais faire un côté à la fois, et puis là, ça va monter très très vite. Donc voilà. Et après, bon, les côtes, c'est pareil, ça, les côtes, ça va aller vite à faire autour des emmanchures et le col pointe. Voilà. Il est très doux aussi, hein, celui-là. Celui-là est fait avec la laine Calinou. Voilà. Avec la laine Calinou. Hop, 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 hop. Ouais, ce que je vous disais, la vidéo va être plus courte aujourd'hui. Je suis désolée.
On est à quoi là? 1h10. Alors, niveau crochet, c'est crochet, ce sont les couvertures météo. Alors, je dis les couvertures météo parce que ce sont celles de cette année, la 2024. Et je termine également la 2023. Alors oui, je suis au bout de mes pelotes pour tout. Hein. Donc voilà. Alors, je vous la montre d'abord en grand. Oh. Voilà. Je vais la replier en deux pour vous la montrer mieux pour les couleurs. Oh là là, j'ai deux mains gauches. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Je vous la montre dans ce sens-là. Donc là, 1er janvier. Hein, et ici, 16 mars, du coup. On a eu une petite journée douce, vous voyez. Donc, j'ai mis du vert. On a eu 17 degrés. C'est vraiment pas de saison. Hein. 17 degrés. Il y avait eu aussi une journée comme ça au mois de... Alors là, je suis au mois de mars. Au mois de février. On a eu une journée aussi avec de la douceur. Voyez. Il y a des endroits, j'ai l'impression que c'est pas topissime. Mais bon. Ça va. De toute façon, c'est qu'une couverture. Hein. Ouais, j'ai des... comme un défaut là, mais bon. Bon. En marchant vite, comme j'aime bien le dire, ça se verra pas. Voilà. Donc là, il me reste dimanche à faire pour finir ma semaine. Et j'aurai terminé ma semaine en bride. Et je vais reprendre une semaine en maille serrée. Mais voyez, on voit pas beaucoup hein, la différence. Oh là là, on dirait que j'ai des trous. Mais c'est pas des trous, hein. C'est les mailles qui sont moins serrées que... Vous savez, hein, quand elle sera finie, que je la laverai, elle va se remettre. Hop. On va la mettre là. Il y a moins de défauts. Voilà. Alors, la ligne blanche que je fais, c'est pour marquer le changement de mois. Voilà. Donc, voilà. Bon, j'avais le bout de pelote. Il est parti où? Il est là. Hop. Donc là, je suis à jour. Et celle-là, j'essaye de rester à jour au maximum. Hein, parce que... je veux pas prendre de retard dans celle-là. Ensuite, ma broderie, n'importe quoi, ma couverture 2023. Hop. Donc, voilà, alors là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 5 jours, donc ça fait 10 rangs. J'en suis arrivée à la mi-novembre. Voilà, donc c'est compliqué de la montrer. Ça. Donc là je suis au 2 juillet et là donc je suis arrivée à la mi-novembre. Donc, c'est une couverture. Celle-ci, je la fais en deux parties. Et voyez, en maille serrée, ben, c'est beaucoup plus net. J'aurais dû la faire en maille serrée, l'autre. Mais je ne vais plus la recommencer. Hein. En fin de compte, maille serrée, c'était... voyez, c'est beaucoup plus net, je trouve. Voilà. Et je la trouve plus épaisse. Pourtant, c'est la même laine. Mais du coup, elle est plus épaisse. Tant pis.
je vais pas refaire. Donc voilà. Allez, encore un mois et demi à faire dessus. Donc un mois et demi, ça fait 30. Pas mal, j'ai pu compter. 30 et 15, 45, voilà. Et 90 ans. Ça ira. Oh, j'aime bien les couleurs. Alors, je sais pas, je peux pas vous montrer là. Je comprends rien. À la télé, il y a YouTube. Et c'est une américaine et elle est en train de faire un HAED. Mais alors, je ne sais pas ce qu'elle fait. Oh, oh là là. Oh, un carnage. Je vais essayer de retrouver le lien. Je vous le mettrai. Elle est en train de griffonner sa toile, mais dans tous les sens. Elle commence à faire ses points en haut. Là, 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 là. Oh là là. Je sais pas ce qu'elle fait, mais elle est en train de faire un gribouillage, mais attendez, je vais essayer de vous montrer. Non, j'y arriverai pas. Comment je peux vous montrer? Attendez, je vous montre. Voilà. Regardez, elle nous a fait un gribouillage sur sa toile. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Et allez, c'est reparti. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Et allez, hop. Oh, le carnage. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh, je pleure. J'ai envie de pleurer quand je vois sa toile. Bon, j'ai pas mis le son, mais de toute façon, elle parle pas français. Hein. Mais alors, c'est un carnage. Ouais, non. Bon. Oh là là. Je sais pas ce que c'est, mais bonjour. Hein. Bon, je reviens. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu. Ben là, sa toile, je sais pas ce qu'elle va en faire, mais... voilà. Bon, je suis débousée là, je sais pas, mais... oh, qu'est-ce qui est tombé? Ah oui. C'est justement ma trousse d'aiguille circulaire. Elle doit se dire, maman, tu ne t'occupes pas beaucoup de nous. Bon, ben, du coup, ma vidéo n'aura pas duré longtemps. Je crois qu'on... Je sais même pas si on est à 1h30. Écoutez, j'espère quand même que ma vidéo vous aura plu, hein, voilà. Alors, la semaine prochaine, on reprend les mêmes et on recommence. Il y aura peut-être la steampunk qui aura commencé. Je verrai également si j'ai préparé, si j'ai commencé à préparer la japonaise, voilà. Mais bon, alors, si je rajoute des broderies, je pense qu'il y a certaines broderies qui vont se faire une semaine sur deux, voilà. Je vais parce que je ne peux pas rajouter des broderies tout sur la même semaine. Comme là, vous voyez, j'en ai déjà 16. 15 ou 16 en route.
Si j'en rajoute encore, il y a le sale des ours de Noël qui arrive, ça va faire 17. La japonaise, ça ferait 18. Je ne suis pas superwoman quand même. Donc, je pense qu'il y a des broderies que je ferai une semaine sur deux. Voilà. Mais bon, on va essayer de s'arranger au mieux. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, allez-y, hein, n'hésitez pas. Bon, malgré que je suis des fois en retard sur les réponses, mais j'essaye de me rattraper au maximum. N'oubliez pas les petits pouces, voilà. Et plus il y a de pouces, plus il y a de commentaires, mieux c'est, hein. Puis moi j'aime ça de toute façon, voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, j'essaie de vous faire une vidéo plus longue la semaine prochaine, et puis de toute façon cette semaine, tout au long de la semaine, vous aurez encore des vidéos comme d'habitude. Donc si vous n'avez pas vu les précédentes, celles de cette semaine, ben, n'hésitez pas à aller voir, et dites-moi ce que vous pensez des vidéos. Il y a encore aussi la vidéo FAQ. Vous avez encore le temps de venir poser vos questions si vous le souhaitez. Je ferai normalement la vidéo réponse fin de semaine, je pense. En fin de semaine, ouais. Peut-être vendredi, jeudi ou vendredi. Donc, vous avez encore le temps d'aller poser vos questions si vous le souhaitez. Allez, je vous laisse. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche si vous êtes en train de regarder dimanche la vidéo. Et une très bonne semaine également pour ceux qui travaillent. Bon courage à vous. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.